Don't feel anxious, don't feel shame. If there's a question, it can wait another day. Don't feel like it's all in vain. I try to remember it ain't a race. Breathe out. Ah, je vais peut-être allumer la lumière, ce sera mieux. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon premier jour de travail chez Microsoft. Je viens de me réveiller, du coup je suis un peu ralenti, mais bon, je vais faire le petit déj et tout ira bien. This that jam that you bumping in the car on the radio. Friends so disgusted, wonder how the hell they play it. Though secretly you know they're gonna save it to their playlist. Dance to it and learn and claim they hate it. Outfit of the day. La petite chemise bleue, le petit t-shirt blanc, le pantalon et les pantoufles. Du coup là c'est bon, j'ai fini de me préparer. Le programme d'aujourd'hui c'est d'abord je vais rencontrer mon mentor. Chez Microsoft, tous les nouveaux employés ont un peer mentor. Cette personne, ça va être mon premier point de contact chez Microsoft. Elle va m'aider à configurer tous mes équipements, me présenter à mon équipe, etc. Mais bon, en général, le premier jour de travail, ben, on fait presque rien. Je pense que dans la matinée, je vais simplement configurer mon environnement et l'après-midi sûrement me donnera de la documentation à lire ou peut-être des formations à suivre, des choses comme ça. Comme j'ai été efficace dans ma préparation, j'ai pas mal de temps encore avant que mon mentor m'appelle. Du coup, je pense que je vais chill sur la terrasse, écouter un peu de musique, me relaxer. But what I didn't know is that a stage would be my cage. Cause when you only see your beauty in the uploads, you can't love yourself on this island. Hey Bran, how are you? Yeah, I think so. I'm trying to bring it to fruition. Why these dudes be steady wishing? I be steady in the kitchen. I be cooking, I be chefing, I be blowing, I be spitting. And this shit is impossible. Probably why it is the mission. I be dripping. Bon, du coup, première journée, première matinée. J'ai passé toute la matinée en réunion. J'étais avec mon mentor qui m'a aidé à configurer tout mon équipement. Et ensuite, il m'a un petit peu présenté le projet, les outils qu'ils utilisaient, la documentation. Après le call avec mon mentor, j'ai eu un call avec mon manager. Donc là, c'était plus au niveau de l'entreprise, ce que représente Microsoft, les millions de personnes qui utilisent notre produit. Vraiment l'impact que peut avoir notre travail sur le monde. En plus, on travaille sur un produit tout jeune. Genre, c'est pas comme des produits qui ont déjà été créés il y a plusieurs années et qui ont voilà quelques updates. C'est vraiment un nouveau produit. J'ai hâte de travailler, même si les technologies qui sont utilisées, bah, je connais pas trop. Mais bon, je vais apprendre. Je vais demander quelques ressources, etc. Du coup, voilà, petite matinée terminée. Là, j'ai hyper faim. Je vais voir ce que je peux commander à manger. Regardez-moi, elles sont toutes cramées. Hein. Mais bon, je pense que qu'en vrai, avec un petit ketchup ou une petite sauce barbecue, ça passe crème. Hein. You are now listening to Lince Radio. What are you doing? Dear cool guy. I wanna see my baby soon. If the world is over, may I be a go-to. I wanna see my baby soon. Might be tough to show you, but you're the one I long to. 50-50-50-24,
with you down to every party. I was still on 19th when my door went in. J'ai enfin fini ma journée chez Microsoft. C'était plutôt intense en information. Et aussi, j'avais quelques tâches à faire. Bon, je vais me poser, hein. Ça va être mieux, je pense. Regardez comme cette tablette, elle est énorme. Abusée. C'est une fin de journée. Du coup, ce qui s'est passé dans l'après-midi, j'ai d'abord joint un meeting. Donc, c'était pas du tout un meeting pour me présenter, c'était vraiment un meeting dans le feu de l'action, quoi. C'était un meeting avec les PM et plusieurs membres de l'équipe. Du coup, j'ai pu en rencontrer certains. Ce qui m'a vraiment étonné aussi, c'est au niveau du contenu des conversations. Ils utilisent tout le temps des grosses échelles. Genre, ça se compte tout le temps, genre en millions ou milliards. Donc, c'est assez inspirant de savoir qu'on bosse sur des projets qui impactent plusieurs personne dans le monde. Premier jour, comme je m'y attendais, j'ai pas codé une seule ligne de code. C'est fini pour cette journée. Je pense ce que je vais faire là, c'est me reposer, manger peut-être le reste du McDo, me relaxer et voilà, demain se repartir pour une nouvelle journée chez Microsoft. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un j'aime. Si vous souhaitez voir plus de vidéos dans le thème des Big Tech, la vie en Big Tech ou comment y rentrer, abonnez-vous et puis voilà, j'essaierai de voir ce que je peux faire pour vous aider.